Le chômage des jeunes à Bruxelles, c'est 30%. Et donc, c'était donc injustifiable que le gouvernement fédéral stigmatise ces jeunes en allongeant leur stage d'insertion ou en faisant des amendes administratives dans les communes pour essayer de les poursuivre et abaisser l'âge jusqu'à 14 ans. C'est une manière stigmatisante de s'adresser à nos enfants qui n'ont pas d'emploi. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est pas par ce bout-là, c'est par un bout positif qu'il faut aborder le problème. C'est-à-dire, par exemple, dans notre ville-monde, dans notre ville qui est tout à fait dans le monde, il est très important d'avoir des écoles bilingues. Il est très important que le bilinguisme soit un élément fondamental de la formation des jeunes ici, parce que ça les aidera vraiment à trouver du boulot. Olivier Deleuze a fumé un joint avant de venir, il défend ça, donc ça ne m'étonne pas. C'est mélanger les sanctions administratives communales à la réalité de l'emploi, dire qu'on sanctionne les chômeurs au travers des sanctions administratives communales, c'est du grand n'importe quoi, c'est une grosse soupe. Vous laissez croire qu'on va taxer les chômeurs et qu'on va sanctionner les chômeurs. Vous stigmatisez jeunes dans votre politique qui abaisse l'âge pénal à 14 ans. Ça n'a rien à voir, mais c'est les mêmes individus. D'accord que ça n'a quand même rien à voir. Non, c'est vous qui le dites, c'est les mêmes individus. Ça n'a rien à voir. Dans nos communes bruxelloises, je vous informe, monsieur, que ce sont les mêmes individus. C'est les mêmes individus. Ça n'a juste strictement rien à voir. Ah ben, écoutez, vous le direz aux jeunes bruxellois. On a fait en sorte qu'il y ait une sanction proportionnée lorsqu'il y a un délit qui est commis, lorsqu'il y a par exemple un acte d'incivilité.